Bandimia Congo Live Télévision, na bisika bozali tolobi matondo mingi na baye nyonso bayamba biso bandima kolanda ba information to basango ya makambo to kabela kabino. Na mokolo mwalelo tozo beta masolo na bandeko na biso oyo bazo bimasake kaka sikoyo to pesi mbote ndeko pe boye elamu. Mbote bandeko na biso bala na mina biso bisika nyonso bozali ba diaspora bandeko na biso baza na Russie. Bao baza Iran, bao baza na Turquie, bao baza na Chine, bao baza na France, Allemagne, Belgique, ba Congolais de père et de mère netinga, bao baza na 26 provinces ya mboka na biso, bandeko nyonso baza na Kinshasa, tolobi na bino pole na makambo o elekaki na dimanche, kati ya capitale na biso. Bandeko na biso baza na Chacha, boza ma, Masisi, Nyabiondo, Kashebere, Walikale, Ruchuru, Beni, kote nyonso bandeko na biso awa na Goma topesi bino mbote. Oza ya bamoko oyo babimika kasikoyo na territoire ya Masisi eyoka makike banguna ba rebel dien 23 bazo beta ma réglementaire. Yo za témoignage ya bayeyo babimi kaka sikoyo parce que je veux signaler ici que to yambio le temps que ozobima etikale ata koleka 30 minutes te ozobima na kati ya territoire te Masisi. Yebisa biso concrètement mini ezole kana kati ya territoire ya Masisi. Bandeko na biso na yebike bino moko to yebisa kibino ke armé na biso na bandeko na biso bazalenu bazama kasi PM23 azat ta na makoki muke te ya kosala bitumba na mapinga na biso mapinga ma ekolo na bandeko na biso bazalenu biso tozalaki ka kozela gouvernement na biso eloba ke eza tango ya kobanda kosala offensive na ba M23 banguna ya mboka na biso yango lelo bozoyo ka basango. Lelo bozoyo ka ndenge nini monguna bazo beta ye. Monguna azalaki deja amatisi mapeka na ye. Tango amona ki tozalaki kosala na ye defensive. Azalaki kokanisa ki aza makasi. Lelo nazoyebisa bino. Kote kuna monguna azalaki kokende na bufamandu. Mikolo bazo beta ye makasi penza ti lelo bandeko na biso bazalenu baza pene pene kaka. Ya ngungu lobi to lobi kuna bokoyoka ke ngungu deja eza na maboko ya bandeko na biso bazalendu ba o bazo utakuna na bufamandu bazalendu ya mia sano bokoyoka ke bazwi deja ngungu na mapinga na biso ma enkolo FARDC monguna zalaki deja asi akei mosika kote kuna ya manyamaboko premier. Monguna zalaki deja koti kuna po azalaki kokanisa kiaza makasi lelo nazoe bisabino kebasi babeti ye na kote kuna lelo na kote kuna tozaka pene pene ya rubaya toza pene pene ya rubaya po ye azalaki kokanisa kebako kende ti Walikale meme ikolo oyo tozo sala defensive te mapinga na biso bazalenu na biso bazo sala nde offensive na monguna lelo azo beta mamakasi monguna zalaki deja si akoti pene pene na Masisi centre po azalaki kokata ngambo ya groupement Buabo azalaki pe kokata na ngambo ya groupement ya kote kuna ya Katale alingaki akota Masisi me monguna zwaki frappe azalaki kokota na groupement ya Biiri na groupement wana na ya Buabo na groupement ya Biiri lelo monguna M23 babeti eti bakeina eti mema babeti e ti babeti si efre esika babengaka Bihambwe wana arme na biso na bandeko na biso bazalen to utari bokoyoka ke rubaya tosi tozwi yango tokobeta bango ti mabele na biso ma ikolo mabele ya bakoko na biso ezala
kokonzama na bana mboka bana nango yango ne konanga journaliste lelo monguna sozwa frappe perte ya vie humaine yango tokoloba ngo te po nenge bazo kufa eza koloba te est-ce que ba FARDC na ko buma banguna ndengo lobi bazo buma banguna est-ce que na ko buma banguna bazo zwa pe ba mboka moko moko na kata territoire ya Masisi. Ndeko nanga journaliste nazo yebisa yo katale ezaka pene pene ya Masisi tango za katale monguna kobe tata muma moko abeti lisasi moko ekozwa moto o azana Masisi territoire chef lieu ya territoire ya Masisi wana monguna zalaki deja asia komye sika wana wana ezana groupement nin ezana groupement ya biiri me lelo monguna zana groupement ya biiri te balani eti ezana sika babenga kakisuma monguna abeta kifre wana lobi babeti e azala kikote ya mema babeti e ti lelo monguna aza esika babenga kabihambwe et pourtant wana na katale ekoza la soki ebele ya ba kilometre soki ozo kata balabala ekoza la moins 7 kilometre mais lelo moto azala ki pene pene moto azala ki na 7 kilometre ya Masisi lelo aza na 45 kilometre na Masisi wana lingi koloba nini elingi koloba ke monguna baso beta ye na bamboka tozo zwa yango eza kozwa mboka te koboma bango bazo boma bango neti banyama na yebisi bino bino bozala ki kokanisa ke M23 ezolonga bino bozala ki deja bosi bomi bongisi kokota kat na M23 bokende sikoyo na yebi na RO morale na bino esili tozomo nango atawa na mboka Goma ba infiltré tango bazala ki koyoka ke M23 ebeti esika songolo okoya komona basangani kote kuna na entreprise da ba mosusu okoya komona bango na instigo okoya komona ba mosusu na barompwe oye komona wana bazolo bana bakarefour ke oho babeti bino lisusu babeti bino yango biso totuna ka bango bino bozolo babeti bino lisusu bino bozala ka banani mais lelo soki okay na RO journaliste soki okay na entrée président kuna nde bazanga kate po monguna bazo beta ye biso tozolonga ba infiltré motard wana ba infiltré wana basanganaka na RO bazo sangana te pona ko célébrer victoire otozo zwa po lelo somiki faza na maboko na biso eza une grande victoire que nous sommes en train de célébrer aller où nous sommes en train de parler même ezana maboko na biso katale ezana maboko na biso kota manya maboko premier ezana maboko na biso bufamandu mobimba to récupérer yango toze la kaka net na ndenge armée na biso mapingama ekolo na bazalenu bazobongisa bitumba ya kobeta axe bord du lac tango kaba ko pelisa moto toza na eliki ya makasi ke nzela ya kokende Minova jour moko kaka bitumba tango bakozwa ka décision ya kosala offensive contre les M23 na nzela ya kokende Minova ndeko nanga journaliste nazoyebisa yo naolaka yo na lobi ke jour moko kaka nzela wana sokika okoyoka ke lisasi eleli na ligne de front ya nzela kokende Minova wana yeba ke nzela wana ekomi libere po makasi yo toza nango lelo armée na biso esi emonte a puissance eyokamaki ke mokonzi ya province le général major Peter Chirimwami. Peter Chirimwami, voulais-je dire, s'il vous plaît. Azana Katiamboka Bouéremana, est-ce que c'est vrai? Mokonzia province, Peter Chirimwami. Bino ya territoire ya Masisi, boyo kindenge nini ya kumona gouverneur ya Katia. Tango tomoni gouverneur. Excellence Peter Chirimwami. Mon général, kokoma na mboka Bouéremana, et pesi population eliki ya makasi. Fonde konanga journaliste, le lonze la
ya moto tonzela ya mutuka kokende Minova ezate ngana yoto mituna le respectier gouverneur aleka ki wapi po akoma bweremana yango elingi koloba nini le gouverneur akenda ki na bweremana tango bana bweremana batu ya moka ya province naye bamona kie lelo bweremana eza na eliki ya makasi ke monguna kokotaka bweremana te po tango M23 ezalaki kokanisa bazolonga azalaki deja komi pene pene na bweremana na batu ya Minova babandaki kokima me lelo M23 eza makasi te na ndenge ozoyoka ke babandi kokimisa minduki na bango ya minene yeba ete ke moto apesaki bango renfort bato oyo bazalaki kosunga bango basi bayebi ke na ndenge ya monte ya armée na biso ya puissance basi bayebi ke baminuki na bango wana ekoya kokufa pamba. Il a été entendu dans la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui a un coup d'état qui a raté. Vous, personnellement, habitant de la ville de Goma, comment aviez-vous reçu cette nouvelle qui a un coup d'état qui a raté? Moi, en tant qu'habitant de la ville de Goma, je peux vous assurer, monsieur le journaliste, que j'ai appris cette nouvelle avec regret d'abord. Parce que c'était vers 11h comme ça. Parce que vous savez, le matin, on était dans d'autres affaires. Mais nous avons appris avec regret cette nouvelle. C'était vers 11h comme ça, j'avais appris qu'il y a eu un coup de temps qui a raté, qui venait à peine de rater à Kinshasa. Et avec ça, je me suis posé des questions. Comment ça peut arriver dans la capitale, en fait, dans notre capitale, la République démocratique du Congo, Kinshasa. Après avoir appris cette nouvelle, bon, on a tout petit peu essayé de sillonner la ville parce que beaucoup de gens n'avaient pas encore appris qu'il y avait tentative de coup d'État à Kinshasa. C'était à peine vers les après-midi comme ça que les gens ont appris qu'il y avait un coup d'État qui a raté. Mais quand même, grâce à Dieu, nous avons réussi la nouvelle en disant que non, ça a raté. Alors, avec ça, nous avons constaté que vraiment, nous avons félicité au fait le gouvernement en place. Parce que nous-mêmes nous sommes posé la question que si peut-être les agents ou les soldats de la garde républicaine étaient à connivence avec ces gens, qu'est-ce qui se serait passé dans la capitale? C'est-à-dire, nous avons pu croire que si les agents de sécurité, la ceinture là de sécurité du chef de l'État étaient à connivence avec ces gens-là, c'est-à-dire, eux aussi pourraient directement commencer peut-être à capter des coups de balle vers la résidence du chef de l'État. Et ça serait catastrophique. Peut-être qu'ils pourraient faire comme les gens du Niger, en fait. Vous savez, le coup d'État qui s'était déroulé à la partie nord, en fait, de l'Afrique, nous avions constaté que ces gens-là ont l'habitude de chaque fois prendre les chefs de l'État en otage, après l'avoir capturé, et les choses se passent comme ça, et les coups d'État sont consommés comme ça. Alors, nous, après avoir attendu cela, nous avons pu remercier les autorités, en fait, de la République, qui n'ont pas été à connivence avec ces gens-là. Parce que si c'était comme ça, les choses allaient déjà basculer au coup d'État, en fait. C'est ce que je peux dire en fait par rapport avec les coups d'État qui a raté le dimanche passé. Alors face à cette situation, aujourd'hui il y a des questions qui sont en train de se poser. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que il y a plusieurs questions qui se posent. Aujourd'hui vous êtes habitant de la ville de Goma et je rappelle aussi que vous êtes un combattant de l'IDPS. Bien sûr. Pensez-vous aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi est en train d'honorer la mémoire du fin père Étienne Tshisekedi? Bon, nous osons croire que vraiment le président de la République est en train de fournir beaucoup plus d'efforts. Parce que lui-même, lorsqu'il était entré au pouvoir, vous savez vous-même comment est-ce qu'il était entouré pour pouvoir se débarrasser de tous ces gens-là
qui était à connivence avec, c'était un conglomérat en fait qui était à connivence avec nos les étrangers en fait. Mais lui-même a fait tous les efforts, il a fourni beaucoup plus d'efforts pour qu'il puisse essayer tout petit peu de s'éloigner de ces gens-là, pour qu'il puisse, en fait je ne sais pas le terme à utiliser, pour qu'il puisse se débarrasser de ces gens-là qui étaient à connivence avec l'ancien président. Et nous-mêmes, nous constatons que vraiment, le président de la République est en train de fournir plus d'efforts pour qu'il puisse continuer avec l'idéologie là même de son père qui est Tshisekedi Wamulumba, Étienne. Nous croyons que vraiment, il est en train de continuer avec cette idéologie là parce que lui-même, le musée Tshisekedi, il continuait à dire que le Congo restera toujours indivisible. Nous constatons que même aujourd'hui, son fils continue à tenir mordicus pour que le pays ne puisse pas être balkanisé. Et avec ça, vraiment, nous encourageons et nous remercions le chef de l'État pour qu'il puisse continuer avec cette idéologie-là de ne pas trahir la nation, en fait, comme aussi Mzee Laura Désiré Kabila l'avait signifié auparavant. Tentative de coup d'État qui a raté à Kinshasa. On nous a signalé qu'il y avait deux Américains au-dedans de ces assaillants qu'on a capturés, que l'armée congolaise a pu neutraliser. Deux Américains, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est les Américains qui étaient derrière ce coup d'État qui a raté? Même monsieur le journaliste, vous savez qu'avec les États-Unis, nous avons une très longue histoire. Une très longue histoire. Mais je ne sais pas quel bonheur ou quels sont les bienfaits que nous pouvons dire que depuis que nous sommes en relation avec les États-Unis, qu'est-ce qu'ils nous ont déjà fait comme bienfait ici en RDC? Le peuple a tant souffert depuis l'époque des Belges, depuis l'époque de Mobutu. Ces gens-là ne nous ont jamais souhaité du bonheur, en fait. Alors, avec ce coup d'État-là, lorsque nous avons appris, le coup d'État raté, en fait, lorsque nous avons appris qu'il y a aussi des citoyens américains qui étaient là dedans, ou des soldats même, moi je peux qualifier des soldats américains, en fait, qui étaient là, très bien formés aux États-Unis d'Amérique, nous avons constaté que nous avons affaire à des gens qu'on appelle des malhonnêtes. Nous avons affaire à des gens qui font comme s'ils sont avec nous, alors qu'ils ne sont pas avec nous. Donc, il faut comme s'ils sont avec nous pour les méfaits qui nous arrivent, pour le mal qui nous arrive. Ils sont là pour faire ne fût-ce que des déclarations inutiles. Mais vous constaterez qu'avec moi, que vraiment les États-Unis, ils ne veulent jamais et ils ne voudront jamais que les Congolais puissent avoir en fait, le bonheur. Nous avons appris avec regret que vraiment, ces gens-là sont parmi ceux-là qui ont voulu à ce que la République puisse être en ébullition, en fait. Parce que je ne sais pas si le peuple congolais pouvait attendre le matin du dimanche qu'il y a déjà eu un coup d'État et qui est déjà consommé. Je ne sais pas comment les gens pourraient se comporter, en fait, dans cette République. Parce que, vous vous souvenez avec moi qu'aux élections qui sont passées, les chefs de l'État ont passé avec plus de 70%, en fait. Alors, tous ces peuples-là qui sont derrière les chefs de l'État, je ne sais pas comment est-ce que les gens pourront se comporter. Ils pouvaient avoir un bel de ça dans ce pays, ce que je crois moi-même. Je pense que les gens ne pourront pas supporter ce type de bêtises, en fait, du coup d'État dans ce pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, avec la question là des États-Unis, moi, je pourrais souhaiter à ce que les chefs de l'État puissent se débarrasser de ces gens-là. Ils ont déjà montré leur fait, en fait. Ils ne peuvent pas nous démontrer le contraire de ce qu'ils nous ont déjà démontré depuis auparavant, en fait. Depuis que nous sommes avec eux. Donc, l'essentiel, nous voudrions que les chefs de l'État puissent chercher encore des bons amis. Parce que lorsqu'un ami, vous constatez que vraiment il n'est pas avec vous, c'est-à-dire il est contre vous. Alors l'essentiel est de se débarrasser de cet homme-là pour que nous puissions chercher encore d'autres partenaires qui pourront en fait peut-être faire en sorte que les Congolais puissent avoir la quiétude en fait. Ça, monsieur le journaliste. Plusieurs Congolais ont crié à Félix-Antoine Tshisekedi et lui ont voté massivement.
actuellement. C'est ça. Il est le meilleur élu parmi le meilleur dans l'histoire de la RDC, d'ailleurs le premier qui a sorti, qui est sorti plutôt avec un succès assez écrasant comme ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il est toujours possible ou il est important que ces Congolais continuent à faire confiance à Tshisekedi d'après tout ce qui se passe au pays? D'après tout ce qui se passe au pays, je ne sais pas si le peuple peut avoir cette intention-là de pouvoir être en désaccord avec leur président de la République. Parce que vous vous souvenez bien que le gouvernement n'est pas encore mis à place. Nous sommes toujours en train d'attendre que le gouvernement puisse être mis à place pour que le président puisse accomplir toutes ces promesses-là qu'il avait promis au peuple congolais, en fait, au courant de la campagne précédente. Donc, le peuple, j'ose croire, qui est toujours derrière M. le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous ne sommes pas encore fatigués. Nous étions fatigués pendant les 18 ans du monsieur, l'ancien président Joseph Kabila. Pendant 18 ans, nous avons supporté. Alors, ces dernières souffrances que nous sommes en train, supposons que nous croyons que ce sont les dernières souffrances, en fait, que le peuple congolais est en train de traverser. Mais avec le temps, nous osons croire que le gouvernement va être mis en place et chaque ministre va faire son travail comme il se doit. Je crois que le gouvernement, lorsqu'il sera mis en place, les choses vont aller comme il se doit. L'essentiel est que ces gens-là qui veulent avoir tous les pouvoirs possibles, les gens-là qui sont en train de chercher à tout prix à prendre le pouvoir sans s'inquiéter des souffrances de la population, nous aimerions que ces gens-là puissent vraiment avoir la population de l'avant, en fait. Il faut qu'ils puissent mettre la population en avant pour que les choses puissent avancer. Il ne faut pas qu'ils puissent en fait mettre leurs intérêts au premier lieu, à la première place. Il faudra qu'ils puissent voir d'abord l'intérêt du peuple congolais. C'est